Donc en allant voter dimanche prochain, vous allez pouvoir élire les futurs acteurs du département et de la région. Donc ce sont eux qui vont faire en fait plein de petites choses qu'on voit pas tous les jours. Donc par exemple pour la gestion des collèges et des lycées, les collèges c'est les départements qui s'en occupent, les lycées c'est les régions. Donc c'est eux qui vont financer le matériel, tout ça. Cette année j'ai pu bénéficier des aides données par l'État. Et ça, c'est vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que au lieu de rester enfermé à cause du Covid, bah, j'ai pu un peu bouger quand même. On a pu sortir, on a pu avoir les aides à la mobilité, passer mon permis. Et grâce à des aides du coup des Pays de la Loire. Le département et la région, ils ont mis en place par exemple l'IPAS, le IPAS jeune qui a accès à tous les lycéens et qui permet d'avoir de l'argent par exemple pour les cinémas, pour avoir une place de festival et acheter des livres, tout ça. Passer à la transition écologique aussi, ça devient important. Passer au vélo, les trucs comme ça. Aussi nous permettre d'avoir de nouvelles infrastructures pour le sport et tout même comment on peut se déplacer, ça devient vraiment de plus important. Donc moi je vous conseille vraiment de voter. Rendez-vous dimanche au complexe sportif de Treillières pour voter au deuxième tour.